Wow! Bonjour les frères et sœurs, comment allez-vous? Si vous allez bien, eh bien c'est extraordinaire. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour une autre vidéo hors du commun. Le 12 août dernier, à la télévision, moi j'ai vu, ils ont annoncé le décès d'une star. Les gens ont tellement pris cela à cœur qu'ils ont organisé beaucoup de choses dans un stade. On l'a enterré, les gens sont allés le faire sortir de sa tombe parce qu'ils voulaient juste voir si c'est vraiment lui. Quelques temps plus tard, les gens ont oublié cette affaire. En fait, c'est fini. C'est ce qu'on croyait. Mais jusqu'à aujourd'hui, les gens continuent de parler ou même d'en parler et les gens cherchent à savoir qui l'a vraiment tué. Parce que pour certaines personnes, ce stade n'est pas décédé du monde naturel. Et que c'est un travail qui a commencé spirituellement et qui s'est soldé par juste un accident. Mais voici ce qui fait le buzz. Quelques temps après sa disparition, c'est-à-dire quelques mois après sa disparition, des gens viennent sur les réseaux sociaux pour parler de tout et de rien. Il y a certaines personnes même qui viennent nous montrer des images comme si ce stade vivait encore. Juste pour faire le buzz. Mais c'est ce qui est inquiétant, c'est que la mère à cette star, elle a des choses à dire. Apparemment, il y a un problème au niveau de ses biens. Ah! Au niveau de ses biens, sérieux? Bon, allons voir, allons découvrir ça. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous maintenant et partagez cette vidéo. Waouh! Qu'est-ce que c'est que ça? Seigneur Soubonne. Waouh! Extraordinaire. Comme vous le voyez ici, c'est pas de la blague, c'est pas de la frime. Il y a une chose qui se passe ici et nous avons besoin de tout découvrir aujourd'hui. Ce que voit le camp, ce n'est pas de la blague. Mais avant de venir jusqu'à là, nous allons voir. On va écouter sa mère. Elle va nous dire des trucs. Vous me sautez, je suis au courant de rien. La Chine, ils m'ont rien dit. Ils sont levés, ils ont démarré, puis ils ont monté sur vous. Ils disent que vous, les Chinois, vous allez prendre les voitures d'Arafat. Vous allez prendre les voitures de Daesh. Ça, c'est normal. On vient juste un peu en arrière. Ils sont montés sur vous. Ils m'ont rien. Vous me sautez. Je suis au courant de rien. La Chine. Ils m'ont rien dit. Ils sont levés. Ils ont démarré. Puis ils ont monté sur vous. Ils disent que vous, les Chinois, vous allez prendre les voitures d'Arafat. Vous allez prendre les voitures de Daesh. Vous voyez, quand on vous parle de problèmes sur les biens, c'est pas de la blague. C'est pas de la blague. Donc, déjà ici, la mère à Cesta. C'était de raconter des trucs qui ont lieu là-bas où certaines personnes parlent de ses biens, veulent s'approprier ses biens. On lui dit même qu'il y a certaines personnes qui sont même juste casser son placard et prendre des choses là-bas. Ah, cette personne est décédée. Et déjà, regarde ce qui se passe derrière. Bon, regardez même ici ce qui se passe même là. Regardez ça. Des gens ont décidé de faire des statues. Bon, en fait, une statue pour cette star-là. Comme vous voyez, c'est cette statue-là qui est là. Et nous allons voir. Waouh. Une statue avec des drapeaux de Chine. Waouh, c'est extraordinaire. Une statue, c'est-à-dire la tête comme ça, elle est là. Et bon, regardez vous-même. Ils vont faire sorte de laisser de passer. Regardez. Comme vous pouvez le voir de plus près. Voilà. Bien. Regardez ça. Je fais juste une statue comme ça, de bon un truc. Ah! Bon. À quoi ça va vraiment servir? Si les gens sont de se bagarrer là-bas, même à cause de ses biens déjà. Peut-être même vous venez prendre la statue, la même partie. Que va-t-il se passer après votre disparition? Que va-t-il se passer? Si vous êtes une star, si vous êtes vraiment une star, dites-moi, le jour où vous ne serez plus là, qu'est-ce que les gens vont faire? Qu'est-ce que les gens vont faire? Qu'est-ce qu'ils vont faire? Vous ne pouvez pas vous imaginer ce qui se passe même à l'instant où nous sommes en train de vous parler. Regardez ce qu'ils sont en train de faire. Les gens qui se voient déjà dans la peau de cette star, regardez ça. La famille, moi j'ai la chance, je suis à Meilleron en ce moment.
Il dit que lui, il a la chance parce qu'il est avec ses stars. Ses stars ont disparu. Et comment pourquoi apparaît-elle ici? Où est son fantôme? Bon, regardez bien. Il n'est pas mort. Pour tous qui ont cru qu'il était mort, ben voilà, les Chinois n'ont pas apparemment eu raison. Ils ont eu raison. En fait, Arafat a décidé de venir rester au Cameroun. Il est là, à mes côtés en ce moment. Et voilà, nous sommes quelle date? On est le 20, en fait, on est dimanche le 21, le 22, non, le 20, voilà, le 20 octobre 2019. Ça se passe à Pont-en-Franc, vu en direct, sud Camer à Yaoundé. Trafic en son, tu n'ignores rien. Allez, il y aura quelques comptes. Vous avez vu ça? Une personne est décédée. Normalement, qu'est-ce qu'on doit faire? Les gens sont de prier. Ah, Seigneur, s'il te plaît, aie pitié. Il faut bien accueillir son âme là-bas. Pendant que nous sommes même en train de lutter, même pour que Dieu même ait pitié là. Les gens sont aussi en train de se lutter ici, de se même bagarrer pour gagner ses biens. Chacun veut avoir son gain, chacun veut avoir l'argent, chacun veut avoir la voiture. Ah, la Chine, la Chine! Les Chinois, même, eux-mêmes, quand ils regardent cette affaire, ils se disent, mais pourquoi depuis la gens sont-ils de parler même de nous là-bas? Nous, on ne comprend pas. Pourquoi est-ce que toujours on nous appelle? Il y a un truc. C'est bizarre. Voici un peu les choses qui sont de faire les tours des réseaux sociaux. Moi, la question que je me pose, c'est, mais qu'est-ce qui se passera-t-il après la disparition d'une prochaine star, ou même de vous-même? Déjà, pendant que vous êtes vivant, inspirez-vous de tout ce qui se passe pour vous préparer en même temps, préparer ceux qui vont rester après votre départ. À tous ces jeunes histoires. C'est vrai, des. Voici ce qui fait le buzz. Nous allons juste faire une courte vidéo pour vous. Et voilà. Une vidéo va apparaître ici, vous allez la regarder. Là, mais il y a des choses vraiment crues, des trucs terribles qui se racontent encore. Vous serez même surpris parce que vous allez entendre des voix. Ça risque d'être chaud, hein, ou même de vous choquer. Bon, la vidéo va apparaître ici. Vous allez la regarder. Abonnez-vous également sur notre chaîne, la chaîne se bonne. Allez, ça va d'accord. Abonnez-vous sur Nyan, c'était bien sur 2 sur 3. Et dites-nous vraiment, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que les gens sont en train de faire juste ça pour s'attirer de la. Bon, pour chercher du buzz? J'aimerais aussi bien savoir. C'est parti pour la prochaine vidéo. Let's go.